Est-ce que quand vous êtes arrivé au stade, vous avez retrouvé ces bus au stade? Bah, on a été cassé dans une tonne de bus, jeton. Non. Vous n'avez pas retrouvé ces bus au stade. On y est allé. Arrivé à l'esplanade, vous confirmez que vous avez vu Kegoro avec ses hommes? Oh, bah, on a été cassé hier au stade, donc on y est Kegoro et Yimbe Makobe. Oui, ok, promets très que Kegoro. Oui. Qu'est-ce qu'il a tenu comme propos? Le confirme. Quand nous au yacht non. Oui. Il y avait un peu de personnes qui étaient arrêtées. Donc, groupe, notre groupe est venu trouver ce groupe-là. Quand on a dit entrez à la maison. Si vous ne rentrez pas à la maison, si vous rentrez ici, on va vous saccager. C'est en ce moment que le garçon que j'ai essayé de vous montrer ici, qui avait gros, qui avait des bacos, qui portait un complet gris là, c'est en ce moment ce dernier a intervenu. On ne rentre pas, nous allons demander notre droit. Donc c'est en ce moment qu'il y a un groupe là qui dit hey, venons, on va aller, d'autres personnes ont été pris là-bas, on va voir si on peut les récupérer. Donc dehors là-bas c'est que gros seulement que parce j'ai que vu. Je ne peux pas mentir. Didi. Deux pour deux. Dire que j'ai vu qu'il a tiré sur une personne, j'ai menti. Ça c'est mentir. Je ne vous ai pas demandé s'il a tiré personnellement sur des gens. Je voudrais tout simplement savoir quels sont les propos qu'il a eu à tenir ce jour. C'est ce que je viens de dire là, c'est ce que j'ai entendu de mes oreilles. Donc selon vous, il a tenu des propos menaçants? Non, on est au Cambanion. Oui, mais quand nous on est au Cambanion, non? Oui. Ouais. En dehors de lui, vous n'avez pas identifié autre militaire? Sinon, quand on dit ça, sorry, je go down. Non, mais on a fait un état tombé. Fait le gaz. Et fait le bender tombé. Et bien, on a été même comme un cafouré qui va comme Hollande. Donc, c'est ça, ceux qui ont tiré les gaz, c'est ceux qui nous ont dit de quitter avec les grenades. Voilà des gens que nous avons vus là-bas. Si ce n'est pas Kegoro. Alors, étant dans le stade, à quel moment précis les tirs ont commencé? Bah, il y en a au stade. Quand il s'agit humbo tigi tigi tigi, faut affaire l'aide. Bah, il a voulu faire la montre. Bon, pour ne pas mentir, je n'ai pas regardé la montre. Ça comme il n'a donc pas l'heure exacte. Pour dire exactement ça, 7 heures. C'est les bérets rouges qui ont commencé à tirer, les gendarmes ou les policiers? Les bérets rouges ben a dit tirer les gendarmes car les policiers. Pour ne pas mentir, c'est la police qui avait jeté les gaz d'abord. Ça, ils ont tiré, fait des tirs. Celui qui était dans la jupe, il est sorti comme ça, il a ri. En même temps, quelques secondes, maintenant, mais ils ont béré rouge, on a attiré faire l'oude. En quelques secondes que nous avons vu les bérets rouges rentrer, ils tiraient. Donc les tirs de fusil. C'est les auteurs, c'est des bérets rouges. C'est les bérets rouges. Quand bérets rouges au fait. Confirmez-vous avoir vu des personnes qui arboraient des bandeaux rouges? Ils étaient en civil ou en tenue militaire? Civil, non, en civil, ils sont pas en tenue. Voilà, en civil. Ils étaient en civil, pas en tenue. Vous avez constaté qu'ils poignardaient des gens? On y n'avait tout failli mais quand même. Tout ça là, dans les photos là, la grande partie, c'est des gens qui ont reçu des coups de couteau et c'est les gens sur les gens à qui on a piétiné. Parce que chaque fois qu'une personne tombe, il monte sur la personne. Et puis des rongons. Et là-bas, à l'intérieur, les gens étaient comme ça. C'était plein comme ça. C'est bon, s'il vous plaît. Vous avez vu des femmes victimes de viol? Oh, c'était une rêve viol. Non. Cette femme que vous avez décrite tout à l'heure, qui était en pantalon blanc, si je me trompe, et en t-shirt rouge,
Qu'est-ce qu'elle faisait? On de bon moyen non non pantalon blanc t-shirt rouge quand on voit des on donc combien de fois on nomme des fois les gens on était ensemble pour le regroupement des corps. C'est là qui faisait faire le téléphone pour appeler les derniers appels pour dire que le propriétaire de téléphone là il est décédé. Vous personnellement, pour finir, vous avez été victime de quoi? Non non tiki tiki yon kon dun hebi yon masi woji de. Non mais masi bon fop mudun. Douleron parce que hajo de sonji. C'est la douleur jusqu'à présent, le fait que je suis tombé jusqu'à présent ça me fait mal. C'est ce que moi j'ai eu. Parce que donc addi hajo mi waral golu de parce que comme si andim bay woni mbudi ala handa kadi. Mais ala hebu de ko watola mbudi pour le financement fi bambe. C'était 14 enfants, 3 femmes. Toute ma famille souffre pour gagner les dépenses, pour les locations des maisons. Mais c'est une merde. C'est une merde. S'il vous plaît, calmez-vous. Hein. Vous vous calmez. Voilà. Parce que le peuple de Sonji, il y a des dépenses. Il y a des dépenses. Il y a beaucoup de difficultés pour ce que la famille doit manger, la nourriture et la location des maisons. Donc, fin de personne n'étudie maintenant là. J'ai un seul qui avait étudié. Donc, on problème. Non, d'où venir les budgets qu'on doit déjà fermer sur la soupe parce que dans le théâtre, l'année fait tout. Deux ans, six mois, j'ai même perdu connaissance. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Vous n'avez pas eu de blessure sur le corps? On a barmia à barmal. Bon, c'est l'orteil là, c'est le levé. Ici seulement. C'est bon, hein? Je vous remercie, monsieur le président.